continue ensemble, les amis. Petite cinématique. This is where his story ends. Whose story? 47's. I've been looking forward to this for a long, long time. It's not his funeral. It is. But you didn't get him in Mississippi. No. We got close, but he slipped away. He knew we were on him now. He was running scared. Where'd he go? Where does anyone go for a last desperate roll of the dice? Nice to be back in civilization, 47. It suited me. I had some business to attend to. Those missions out in the sticks may have bought us some time, but things are still deteriorating rapidly. We're still losing agents. You got the briefing? Yesterday. Got the pictures right here. Mohammed bin Faisal Al Khalifa, his scientist Tariq Abdul Latif, and Henrik Schmutz of South Africa. Interesting trio. The DNA angle's disturbing. This may tie into the group that's trying to liquidate us. Bienvenue à Las Vegas, 47. Un membre d'une organisation raciste d'Afrique du Sud, appelé Henrik Schmutz, s'efforce de vendre des échantillons d'ADN et des rapports de labo au riche cheikh saoudien Mohammed bin Faisal Al-Khalifa. Le cheikh travaille pour quelqu'un d'autre, mais nous ne savons pas qui. Notre client veut les forcer à se découvrir en empêchant l'affaire d'être conclue. Vous avez trois cibles. L'Afrikaner, le cheikh et le scientifique du cheikh, chargé de vérifier les données. Nous avons perdu beaucoup d'agents ces temps-ci, 47. Tout contrat peut désormais receler un piège. D'avoir un piège, il y en a une option. Sauver. Enfin, sauver, c'est un grand mot. C'est récupérer une mallette de diamants. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un peu les équipements qu'on peut débloquer. Indétectable. Ça, par contre, ça, je vais en avoir besoin. Alors, vous allez me dire, mais on ne dit jamais de sniper, mon ami. C'est vrai. Réduction sonore maximale. Ok. Il y a pas de problème. Alors, le W200, c'est sonore, règle de guerre réduit. Ok, c'est parfait. Ok. Transperce les portes et tue les autres munitions. Ouais, c'est parfait. On va faire ça. Du coup, on va se l'inclure, ça aussi. Voilà. Et on va lancer la mission. Moi j'aurai une arme. On va se promener un petit peu avec la mallette. Voilà, une petite mallette. Donc on est à Las Vegas, les amis. Terre. Une très belle terre, on va dire. C'est parti. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue à l'hôtel Chamal. Si vous voulez une chambre, la réception se trouve après ces portes, dans le principal salon de réception. Merci. N'hésitez pas à aller vous distraire au casino, à vous détendre au bar. Donc il y a pas mal de keufs. Merci. Alors on va chercher une chambre qui est à droite, juste ici. Voilà. J'ai une réservation au nom de Crops. Voyons. Ah, ok, docteur Crops. Voilà votre carte magnétique. Pour des raisons de sécurité et dans le seul but de mieux vous protéger, elle ne permet d'accéder qu'à l'étage où se trouve votre chambre. Parfait, merci madame. Très bien. De la part de l'hôtel Casino Chamal, laissez-moi vous souhaiter le plus agréable des séjours, docteur Crops. Elles sont mignonnes les nanas quand même, Las Vegas. Okay. Donc il y en a un casino, la cible elle arrive. Elle arrive la cible. Donc on va bien voir tout ça. Ok, alors. On va un petit peu analyser où elle va aller à la cible. Tu es mignon. Le mec il drague carrément la petite vendeuse. Alors on va analyser un peu ce qui se passe. On va déjà appeler l'ascenseur, comme ça moi c'est fait. Ok, bon ça c'est normal. Ok, ma petite cible, c'est lui. Je suis le genre d'homme qui obtient ce qu'il désire. Tu es mignon. Allez.
Ok. Bonjour docteur. Bah, je vous suis hein. J'ai besoin de vous dans tous les cas. Merci les gars. Puis-je voir votre carte, monsieur? Moi? Ma carte? Oh le... Je crois que j'ai oublié un truc les gars. Ma carte, c'est sûr. Ok. J'ai oublié un truc, c'est obligé. Elle m'a donné la carte, sauf que je pense que je l'ai pas récupérée. Ou je me trompe, ouais. Je l'ai pas récupérée, quel con. Du coup, je rate déjà ma cible là. Ok. Je me disais bien, merci. J'ai bien oublié quelque chose, moi. On va remonter en haut. Et on va revoir le docteur Schmulz là. Allez, c'est parti. Oh, ok, nickel. Où est partie ma cible? Ma cible était là. Moi, je peux pas monter plus haut. Je peux pas monter plus haut. Et mon numéro de chambre, c'est... Voilà, 720. Ok. 700, c'est par là. Ok. On va voir ce qu'il y a dans notre chambre. Tout d'abord. Ouais, alors, qu'est-ce que tu m'as donné ici? Ok. Alors, on peut pas monter plus haut. Il ne me semble point que tu puisses monter en haut. C'est dommage ça. Putain, la chambre royale qui se tape 47, c'est ouf. C'est ouf. Mais je pense que ouais, non. Je pense qu'il faut faire recommencer. Et on se fout directement dans l'ascenseur, vous voyez. Vous voyez. Ok, on rentre. On attrape directement notre badge. Ouais, merci pour ton blabla. Ok, bonjour mademoiselle. J'ai une... Ok, on va récupérer la carte direct. Alors, comme je vous ai dit, découvrir cette mission, parce que je me rappelle plus de l'avoir fait. Je me rappelle même plus comment on l'a réussi celle-là. Du coup, bah écoutez, on va la faire ensemble. Et là, on va bah, tout simplement, on a vu que le client il prenait l'ascenseur. Et écoutez, on va se mettre dans la partie haute de l'ascenseur. Qui est là. Et ouais, les amis. On va attendre ici. Et on va attendre avec ça. Ok. Ma cible va pas tarder à arriver. Exact. J'ai le scientifique Hendrik Schmutz. Ok, Hendrik Schmutz, je le vois toujours pas. Donc je sais pas du tout où il est. Il doit être caché, je pense. Ou il doit arriver plus tard, ou un truc comme ça. Ok. Bon. J'espère qu'il va pas me la faire à l'envers, là. La cible. Oh, le voilà. Il va directement prendre l'ascenseur. Son garde, son gorille, normalement, il reste dehors. J'aime bien cette map.
Moi, t'indiques vraiment les trucs, tu peux vraiment préparer ta stratégie et tout ça. Voir les déplacements de chaque civil, chaque cible, et quand t'es en mode facile, de chaque ennemi en orange. Mais là, du coup, j'espère qu'il va pas nous repérer, le mec. Hop là. Merci. Mal de paiement, ouais. Ok. Bonjour les amis. Alors, moi j'ai la chambre 708 et lui la 803. La 803, c'est là-bas. Ok. Je sais pas pourquoi je peux pas prendre le costume du scientifique, normalement on peut. Hey, t'as rien à faire ici. Yep, messieurs. Pas de soucis, messieurs. Alors, par contre, ça va être chaud pour récupérer les vêtements de l'autre scientifique là. Ah merde, voilà. Ah, ok, j'avais pas remarqué qu'il y avait un truc comme ça ici. Ok. Oh là. Trimper par la trappe, voilà. C'est pas normal. Mais pourquoi je peux pas le prendre son cadavre là ? Ça m'énerve. Bah, on va monter au 7ème. On va grimper par la trappe, voilà. Normalement, j'ai l'impossibilité de prendre tes vêtements, toi. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Alors. On va placer une bombe. Voilà. On va aller dans le hall. Écoutez, on va faire ça. On a déjà une première cible qui est morte, ouais. Ça, c'est notre problème. Ok. Donc la cible là va nous attendre. Ah ouais, Schmutz. C'est donc lui la première cible. Ah ouf, je me disais bien. Ok, hop. Deuxième cible abattue. Ah, voilà. Slips. Ok. Bon. Voilà, ça c'est cool. Annulé, on va juste voilà. Non, je voulais récupérer ça et je voulais juste placer l'objet et je voulais placer la petite bombe. Bon, ça commence à me casser les couilles. Voilà, on va reprendre nos costumes d'Henrik. On va prendre la manette de paiement. Dans la manette de paiement, on va placer la bombe. Voilà. On va laisser du coup
Nos armes ici. L'autre aussi. Hop là. Et on récupérera ça tout à l'heure. Ok. On est parfaitement bien foutu là. En plus là je fais bien, bien nazi moi. Bien raciste comme ils disent dans le jeu. Pour pas... pour pas trop parler de nazis. Allez hop. Nous c'est bon. Parfaitement bien habillé là. Oh le petit vieux et tout qui se tape la petite jeune. Classe mec. Ok, on va recruter, on va aller voir le notre chef. Enfin notre chef, notre rendez-vous. On va dans la partie bar. Ok, la caméra je crois qu'elle nous a juste un petit peu vu, tu vois. Ce secteur est interdit. Allez, allez, circulez. Mais je viens pour la bombe. Ah, comment je vais faire moi? Je sais pas du tout comment je vais faire. J'ai quelle chambre moi? 708, 800, 707. Elle est occupée par la cible Henrik. Bah écoute, on va aller chez Henrik. On va aller voir la chambre d'Henrik. Et normalement, normalement quoi. Je sais pas pourquoi je peux pas récupérer la. Bon, allez au 7ème étage, là où est Henrik. Voilà. Toi t'as bugué toi, c'est sûr. Là-bas. C'est sûr, c'est par là. Ok. Non, c'est pas une sortie de sorte court, dommage. Ok, alors qu'est-ce qu'il a ici lui? Là, est-ce qu'il a laissé quelque chose? C'est des fois. Des fois les cibles laissent des choses. Ok. Pour moi, je pense qu'il faudrait. Je pense que ça va être ça. Donc la mallette d'ADN. Ok. Donc les gars, on a déjà récupéré ça. C'est parti. On prend la petite échangeur. Peut-être avec la petite, le petit signe bien raciste. Enfin, petit signe de l'idéologie du d'Henrik. D'Henrich. Comment il s'appelle? De Henrik. Schmutz. Normalement là on va passer tranquille. Ok, là on va descendre tranquillement. Donc scientifique et tout ça c'est fait, mais lui par contre Al Khalifa, on va avoir du mal à le buter hein. Vas-y, fouille-moi, y'a rien du tout là. Allez, fouille-moi ma gueule. Ça roule, allez-y.
Merci, monsieur. Vous êtes Hendrik Schmutz? Oui, Cheikh Mohammed. Kenal, apporte les diamants. La marchandise sera inspectée avant le paiement. Simple précaution. Je suis sûr que vous comprenez. Bien entendu. Ok. C'est un grand casino. C'est vrai. Vous voulez peut-être un autre verre? Je passe. Oui, un très grand casino. Qu'est-ce qu'il y a? Une caméra vous a filmé. L'ADN doit être identifié, le conseil est en route. Ok. Un vrai coursier là. Ça c'est chaud ça. On va peut-être se faire buter là. Faut que je fasse attention, je vais sauvegarder. C'est vrai que je n'ai pas sauvegardé depuis tout à l'heure. Hein, ça c'est pas bien. Hop, on remet bien le micro et on attend encore le coursier qui a la bourre là. Ça va être lui là. Putain, si c'est un coursier, il est pas très rapide hein. Ah non, bah non, c'est pas le coursier. Un peu son temps en coursier quand même. Ça va être lui, c'est obligé. Non, il s'est arrêté. Là, si on attend 4 ans, on va pas le faire. Putain, il est où là? Ouais, je me disais, mais faut attendre. Putain, faut attendre. Bon, on va attendre hein. C'est long. Un peu long quand même. La dame artificielle coursier est en route. Ok. Toujours en route le mec. Oh putain. On va attendre une heure là. Force. Autant que la striptease finisse son truc là. Ok. Sympa. Alors une petite pièce.
Là, on va l'empoisonner directement. Ok, bon, on a une cible un peu qui a eu peur. Bon, écoute, on va se remettre là, voilà. On va attendre que la fille parte. Car là, c'est assez long, hein. Oui, oui, oui. Merci, mademoiselle. Tu peux partir. Normalement, là, elle va partir. Nous, on peut prendre cette pièce. Ok. Il va planter pendant tout le jeu, quoi. Putain, c'est quoi ce bitch? Le coursier, il est... Ouais, je sais bien. Je me trompe, là, mais... Ok, là on se met en invisible. Moi je me casse. Ni vu ni connu. Voilà, on va récupérer notre costume et la mallette de diamants. Donc la mallette de diamants, c'est la mallette de paiement du coup. Ok, putain, je me suis fait encore filmer là, ça pète les couilles. J'espère que ça va pas jouer sur mon score. Alors, il faut que je récupère mon costume, mes armes, ma mallette dans l'autre. Ah non, ma mallette, je peux la laisser. Ah bah du coup, je vais perdre des sous comme un con. Pour rien. Bon, allez là. L'ascenseur de merde. Septième étage, il me semblerait. Ok. Là, on récupère mon costume. Alors, hop. En fait, j'aurais pu attendre longtemps le coursier, il vient jamais. Vu que le coursier, c'est le scientifique. Donc, ça aurait été un peu con que j'attende pour rien. Bonjour, monsieur. Alors, moi, je me casse. Voilà, on va passer par là. On prend la mallette de paiement et on se casse. Et on se casse, les amis. On va sortir d'ici avec les diamants dans la poche. Ça, c'est nickel. Ok, alors là, on va aller dans le hall. Et on va sortir. On va s'enfuir surtout. Par là. Bon, cette mission, petite mission à Las Vegas, on l'a fait quand même en un try. J'ai pas fait d'erreur. Donc c'est pas mal, je suis content quand même. Allez hop, on se casse. Street Magic. Live January, ce Shamal Auditorium. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de mecs, il y a beaucoup de Qataris ici, hein. Exit. Et on se casse d'ici. Une petite voiture qui nous attend. Voilà, ça a été fait. Filmé pas de caméra, oui. Accident
Ouais. Donc j'ai été professionnel. Donc ça va, j'ai juste une caméra. Et la caméra, bah bon, voilà, on peut corrompre les civils et ça va l'enlever directement. Professionnel. Avis de recherche. Retrouvé mort, la police pense qu'il s'agit d'un tueur. Ouais. Aurait été victime d'une violente interrogation qui a provoqué une autre mort. Ok, aucun témoin, donc ça va. La beauté du boyau flambe à tout va. D'accord. Ouais. Alors, je sauvegarde et rendez-vous au prochain épisode.